dans ma tête. C'est moi, madame. C'est vous? Oui, madame. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez utilisé le matériel de bas de gamme pour l'installation du gaz? Monsieur Folard, je sais très bien que c'est vous qui avez particulièrement supervisé ce projet. Expliquez-moi pourquoi il y a encore des fuites ça et là. Madame, écoutez, nous utilisons le meilleur matériel pour ce projet. Je ne sais pas pourquoi il devrait y avoir des fuites. Est-ce que vous entendez parler? Est-ce que vous entendez même parler? La compagnie vous a donné assez d'argent pour acheter du bon matériel, mais non! Vous avez préféré acheter du matériel défectueux et empocher le reste d'argent. Madame, je suis désolé, madame. Écoutez, peut-être qu'ils m'ont vendu du matériel défectueux et je ne m'en suis pas rendu compte. Ça n'arrivera plus jamais, je peux vous l'assurer. Bien sûr que ça n'arrivera pas, je m'en assurerai. Vous êtes viré. Ah non, madame, s'il vous plaît, madame, vous ne pouvez pas faire cela. Ah, et... Écoutez, madame, je suis désolée, vous ne pouvez pas me faire cela. J'ai rendu de grands services à cette compagnie. Je répète, sortez de mon bureau, sinon je demande à la sécurité de vous mettre à la porte. Ah, madame, s'il vous plaît. Sortez de mon bureau, monsieur Follard. Sortez de mon bureau! Merci Seigneur. Je suis viré. J'espère te revoir un de ces quatre. J'en ai terminé. Monsieur Follaré, nous ne sommes pas encore fermés. Mais où allez-vous? Je m'en vais. Monsieur Follaré. Hey. Folard, pourquoi tu fais cette tête? Madame vient juste de me licencier. Quoi? Pourquoi? Juste à cause d'une petite erreur. C'est très injuste. Tu sais quoi? Essaye de t'asseoir quelque part, ok? Et laisse-moi lui parler. Non, c'est pas la peine. Je ne veux pas plus de problèmes. Donne-moi juste quelques minutes. Folard! Ah. Folard! J'ai vu Folard quitter le bureau. Il dit que tu l'as licencié. Oui, je l'ai fait. Oh. Folard est incompétent. Il a failli détruire la relation que j'entretiens avec le groupe à ma tête depuis des années à cause de ses intérêts égoïstes. Que veux-tu dire? Il a utilisé du matériel défectueux pour les installations. Je viens juste d'être au téléphone avec le manager et il était fou de rage. Il dit que le travail était mal fait. Et qu'il y a beaucoup de fuites. Dieu merci, ils l'ont constaté à temps. Sinon, cette histoire aurait pris une autre tournure. Quelle avidité! Ils comptaient détruire l'image de cette entreprise? C'est bien, il y a peu, tu venais avec l'intention de me donner une raclée parce que je l'ai licenciée. Mais non! Je suis pas fâchée, tu es ma boss lady. Je te serai toujours loyale. Mais en y réfléchissant bien. Et si... c'était une simple erreur. Peut-être il ne savait pas que c'était du matériel défectueux. On ne le paye pas pour qu'il fasse des erreurs. De plus, il n'a pas à mélanger ses problèmes personnels avec le boulot. C'est ce qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'il a des problèmes. Peut-être des problèmes familiaux entre de ce genre. Ça ne me concerne pas. S'il a des problèmes, alors qu'il les règle. Demande à la RH de mettre immédiatement un poste vacant à pourvoir. Oui, madame. Oh, Dieu merci. Je pensais que tu étais déjà rentrée à la maison. Bonsoir à toi aussi. Ah, désolée. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Tu es venue me voir? Bien sûr que je suis venue te voir. Ah, je suis certaine que tu veux quelque chose. Ah, ça c'est pas vrai. Allez, vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai urgemment besoin d'un job. C'est reparti. Ça fait déjà 2 mois que je suis là et je n'ai pas encore de job. Alors, demande à ton ami de me trouver un poste dans son entreprise, hein? J'accepterai n'importe quel poste. Eh bien, le seul poste que nous avons de libre dans cette entreprise est celui de directeur. Et toi, ma chérie, tu n'as pas les compétences requises. Mais ne t'inquiète pas. Dès que j'ai la possibilité de te trouver un truc, je te le ferai savoir. Mais Loveline est ta meilleure amie. Tu peux lui dire que ta cousine a besoin d'un boulot. Je veux dire, elle ne peut pas te refuser ce service. Je suis sérieuse là. Donc, je dois demander à ma boss de virer tout le monde parce que ma cousine veut un boulot, c'est ça? Combien touche un directeur? Et pourquoi devrais-je te le dire? Juste pour savoir. Bien, si tu insistes. Entre 350 et 500 000 naira avec beaucoup d'indemnités. C'est ce qu'il reçoit. Ouais. Oh, comme j'aurais voulu avoir ses compétences. Tu ne les as pas. Rentre à la maison. T'es pas sérieuse. Ma puce, tu es un diamant brut. Tu es la définition de sexy. Ça, tu peux le redire. You know Godio. Je ne comprends pas. C'est de l'argot français? On dit, tu n'es pas d'accord. Peu importe. Bref, tu es tellement sexy que je ne pense pas que ton mari puisse regarder dehors. Il ne peut pas oser. Raison pour laquelle je suis... sexy et bien mise presque tout le temps. Ainsi, toutes ces petites plaisantines qui se font appeler grandes filles ne vont s'approcher de mon homme. T'es grolle, où te sort celle-là? Je les vois tout le temps en ligne. Elles sont rusées. Ma puce, passons là-dessus. Comment tu vas? Je ne vais pas bien, je suis frustrée. J'ai besoin d'un job très vite. Dieu merci. Je n'ai pas besoin de travailler. Je reste juste à la maison et me rends belle. Tandis que mon mari va au travail et ramène beaucoup d'argent pour prendre soin de moi. Oh, j'allais oublier. J'ai peut-être une proposition pour toi. Il y a un poste vacant où travaille ma cousine. C'est un poste de directeur avec un salaire très juteux. Si ton époux est intéressé, je demanderai plus de détails et je te le ferai savoir. Tu sais que mon mari est payé 250 000 naira, n'est-ce pas? Mais le salaire varie entre 250 000 naira et 500 000 naira avec indemnité. Es-tu en train de blaguer? Kobe doit postuler. Mais je dois t'avertir, ma chérie, la boss lady est exigeante. Comme si tu ne connais pas Kobe avec le travail. C'était juste une parenthèse. Que puis-je t'offrir? J'ai tout dans cette maison. Tu me connais, n'est-ce pas? Chérie, oui? J'aimerais te parler. Ok. Une amie à moi m'a parlé d'une merveilleuse entreprise qui a besoin d'un directeur. Je pense que tu la connais, Peace. Bien sûr que je connais Peace. Super. Ton ami. Exactement, chérie. Et je sais que tu corresponds parfaitement au profil. Tu as tout ce dont ils ont besoin. Attends. C'est une blague ou quoi? T'ai-je dit que j'étais à la recherche d'un boulot? Chérie, le salaire est bon. Oui. Et alors? Je veux dire, actuellement, tu gagnes 200 000 naira le mois. Ce boulot, c'est 350 000 naira et 550 000 naira le mois. Avec des avantages, tu ne peux pas laisser cette opportunité passer. Écoute-moi, j'aime vraiment mon boulot. Et mon salaire n'est pas mal. Je trouve beaucoup d'épanouissement à mon bureau et ce tous les jours sans exception. Et c'est important pour un être humain. Je suis désolé, mais je ne laisserai pas mon boulot pour un autre boulot. Pourquoi? Ça veut dire quoi, pourquoi? Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah! Je ne sais pas si tu prends la peine de réfléchir avant de parler. Attends, attends. Ne veux-tu pas évoluer? Madame, sache que je suis très à l'aise dans mon travail et comprends que je ne laisserai mon boulot pour rien, mais alors rien au monde. Est-ce que tu m'entends? Je dois changer de boulot parce que l'autre paye mieux que ce que je fais. Ok, je te comprends. Je ne te demande pas de quitter ton boulot. Ok? Je te demande juste de postuler pour ce poste et aller pour l'entretien. Et si t'es retenu, tu pourras enfin quitter ton boulot actuel. Hein? Bébé? Je vais y réfléchir. Ça, c'est mon bébé. Tu sais que je t'aime. Tu aimes surtout l'argent. Oh, non, c'est toi que j'aime, bébé. Madame, je viens vous demander si je dois laisser entrer Monsieur Kobe. Oh oui, faites-le entrer, Monsieur Kobe. D'accord. Oh, Monsieur Kobe, vous pouvez entrer, Madame Frosse. Oh, d'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'ai parcouru votre profil et je peux dire que vous avez les compétences requises pour ce travail. Merci. Vous avez quitté une compagnie réputée pour la nôtre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer pourquoi vous avez démissionné? Eh bien, j'ai démissionné parce que j'avais besoin de plus de challenge dans mon travail pour satisfaire mes besoins. Vous savez, je veux la même chose, celle de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même. Je vois. Je fais confiance à ma RH pour avoir choisi l'un des meilleurs pour ce boulot. Et j'espère que vous donnerez le meilleur de vous. Je le ferai, madame. Très bien, alors. Vous a-t-on montré votre bureau? Oui, déjà. Ok. Alors vous pouvez disposer. Ok, merci. Ma puce, le nouveau boulot de mon mari est... Merci de m'avoir parlé de cette entreprise. D'accord. À présent, je peux vivre dans le luxe plus qu'avant. Je suis si contente pour lui. En fait, je ne suis pas surprise qu'il ait décroché le boulot. Ton mari a tout pour réussir. Il est intelligent. Il est travailleur. Avec une femme très sexy et sage. Oh, je suis tellement contente pour toi. Tu as un mari très chanceux. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Et cette femme, dans le cas de Kobe, c'est Mie. Ouais. Et tu dois bien le tenir. Les hommes comme lui ne courent pas. Je le sais, t'inquiète. Je suis si chanceuse de l'avoir. Oh. Ma puce, tu as vu ton nouveau directeur? Homme craquant. Il me donne des frissons. Ah, j'ai juste envie de le bouffer tout creux. Martha, as-tu terminé avec le rapport financier? Oui, madame. Tout est prêt. C'est l'heure de déjeuner. Ne préfères-tu pas manger au lieu de rester papoter? C'est juste que j'aime passer du temps avec ma boss lady. Tu n'as pas de problème avec ça, n'est-ce pas? Il faut vraiment que tu vois ce gars. Il est si sexy. Oh. Je l'ai vu. Il n'a rien d'impressionnant. Va-t'en, je dois travailler. Ah, non, bébé. Nous allons déjeuner toutes les deux, debout. De plus, Monsieur le Bogus sera à la cafétéria dans quelques instants. J'aurai l'occasion de le dévorer du regard. Alors, plus de temps à perdre. Debout, debout. Tu es malade. Allons-y. Pour ton information, Monsieur Bogus, comme tu l'appelles, est un homme marié. Oh, c'est pas grave. Flirter ne fera du mal à personne, tu me trompes? Reste loin du mari d'autrui. Bien, mon équipe et moi-même avons terminé l'installation des gaz sur toute l'étendue du territoire Frogressi. Monsieur Frogressi a été très impressionné, si bien qu'il nous a fourni de nouveaux contacts. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Merci. Monsieur Kobe, vous avez prouvé que vous êtes efficace et appliqué dans l'accomplissement de vos devoirs. Merci. Je suis impressionnée. Alors, avez-vous déjà contacté les nouveaux clients? Oui, madame, je l'ai fait. En fait, nous avons conclu quelques marchés et avec un peu de chance, d'ici la semaine prochaine, nous procéderons aux dites installations avec le nouvel équipement. Waouh, très impressionnant. Merci. Nous allons faire un voyage d'affaires d'une semaine pour les États-Unis. L'entreprise prendra des dispositions pour la personne avec laquelle vous souhaiterez voyager. Ok. Je suis très fière de vous. Merci, madame. Vous pouvez disposer. Bien. Bonne arrivée, chérie. Salut, comment était ta journée? Écoute, j'ai de très bonnes... Bonne quoi? Je ne suis pas contente. Ok. Que s'est-il passé? Comment puis-je le dire? J'étais sur la page Facebook de Monica. Et j'ai vu ce nouveau Range Rover Sport que son mari lui a acheté. Elle a eu beaucoup de likes et tout le monde ne cessait de la féliciter. Je ne suis pas sûre de te comprendre là. Où est le rapport avec le fait que tu sois contente ou pas? Chérie, Monica était ma camarade de classe il y a des années. Chérie. Et aujourd'hui, elle conduit le dernier Range Rover Sport. Et moi, je conduis encore une Lexus 350. Tu ne comprends pas? Oh oui, je comprends maintenant. Je comprends parfaitement. Tu m'as presque saigné à blanc et je t'ai acheté cette Lexus 350 et même que mes finances en ont pris un gros coup. Malgré ça, je te l'ai acheté. Maintenant, je veux que j'achète quoi? Une Range Rover Sport. Où penses-tu que je vais prendre tout cet argent? Mais tu peux le faire si tu le veux. Après tout, tu es bien payé. Ma chère femme, je n'ai pas une telle somme d'argent. C'est compris? Quel homme radin tu peux être! Écoute, que tu le veuilles ou non, tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Tu m'entends? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Oh... Tu lui as vraiment envoyé un mail? Ok, essaie juste de me le renvoyer. Non, non, pas de problème, je vais le faire. D'accord. Ok, dans ce cas, dis-le-moi. Ok, passe une bonne nuit. Merci. Je peux vous aider? Voici les contrats de la nouvelle affaire de gaz que nous avons. J'aurais besoin que vous les signiez afin que je puisse m'y mettre rapidement. Je les parcourrai et les signerai plus tard. Ok, concernant le voyage pour les USA, j'irai seul. Et pourquoi? Je pensais que vous auriez aimé venir avec votre femme. C'est vrai, j'aurais vraiment aimé, mais elle a quelques affaires importantes à régler. Du coup, elle ne pourra pas venir. Ok, pas de problème, vous pouvez disposer. D'accord. Chérie, je vais aux États-Unis d'Amérique pour un séminaire d'affaires. Ce week-end, j'en aurai pour une semaine. Et tu ne m'en parles que maintenant? Toi, te soucies-tu de ce qui me concerne maintenant, ou tout ce qui t'intéresse à ton intérêt personnel? Puis-je t'accompagner? Du moins, quand tu seras en réunion, je pourrai aller faire du shopping et autres. Kobe! Ouais. Oh, toi! Peut-être la prochaine fois, je pourrais demander à l'entreprise de prendre les dispositions. Mais pas cette fois, ok? Si tu le dis, laisse juste beaucoup d'argent. Ah. Lovelyn, tu devrais mettre en pratique les conseils de ta tante. Tu dois commencer à l'écouter. Tu devrais prendre un peu de bon temps après le boulot. Tu sais, sortir, te détendre. Une semaine avant ton retour du Nigeria, tu as besoin de repos. Martha, j'ai une entreprise à gérer. Je sais, mais pas au détriment de ton bien-être, ma puce. Lovelyn, tu travailles beaucoup trop, comme tu le faisais lorsqu'on était à l'école. Tu as besoin de repos. Tu as vraiment besoin de repos. Ok, je sais que j'ai besoin de repos, mais je n'ai pas envie de négliger l'entreprise que mes parents m'ont léguée. Ma puce, tu gères très bien cette entreprise. Regarde-toi. Je suis sûre que tes parents sont tellement contents de toi de là où ils sont. Ok, très bien. Je prendrai 2 jours de repos. Non. Tu es contente? Non. 2 jours sont tellement insuffisants. Au moins 1 semaine. Pas question. Lovelyn, tu as besoin de repos. Peux-tu me laisser faire mes valises en paix? S'il te plaît. 1 semaine. Je ne veux pas te gronder comme un enfant. Honnêtement, tu es très têtue. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Bref, on verra bien. Salut, beau gosse. Salut, Martha. Ah, enfin, tu es rentré, Kobe. Merci. Ah, tu m'as vraiment manqué. Alors, qu'as-tu ramené de ton voyage? Rien du tout. Rien? Tu veux dire que tu n'as rien ramené de ton voyage? Absolument rien. Ah, ce n'est pas juste. Alors, comment comptes-tu te rattraper? Je sais. Et si tu m'amenais déjeuner? Martha, s'il te plaît, je suis vraiment très occupée là. Pouvons-nous en reparler plus tard, s'il te plaît? S'il te plaît. Ok, je pars. Je reviendrai. Lovelyn? Salut, Tata. Bienvenue. Oh, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Bienvenue, ma chérie. Comment était le voyage? C'était cool. Super. Et tu devais rester 3 semaines après ton séminaire. Ça fait juste 3 jours et te voilà de retour. Tata, j'en avais marre de dormir et de ne rien faire. C'est de l'Amérique dont on parle ici, bébé. Avec tous ces beaux endroits à visiter. Je sais. Mais Tata, je suis épuisée. J'ai juste besoin de me reposer. D'accord, laisse-moi te chercher quelque chose à manger. Tu dois être affamée. Je n'ai pas faim, Tata. Je vais juste essayer de déposer cette valise à l'étage. J'étais supposée rentrer. Bienvenue, ma chérie. C'est bon de te revoir. Bonjour, monsieur Kobe. Bonjour. Eh. Hey. Asseyez-vous. Merci. Je ne m'attendais pas à vous voir avant la semaine prochaine. J'en avais marre de jouer à la paresseuse. Bien. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui s'est assez reposé. Je parie que vous étiez occupé à travailler depuis votre chambre d'hôtel. Regardez-vous. Vous travaillez tellement dur. Vous devriez prendre quelques congés, essayer de vous reposer. Ne faites plus jamais ça. Oh, je voulais juste vous aider. Je ne voudrais pas que vous vous épuisiez. Je suis la boss ici. Vous ne me dites pas quoi faire. Ah bien, ce n'était juste qu'une suggestion. Je répète, je n'aimerais pas que vous vous épuisiez. Que voulez-vous? Que faites-vous dans mon bureau? Je vous ai envoyé quelques documents pour signature. C'est à propos des nouvelles installations auxquelles nous devons procéder la semaine prochaine. Je m'apprêtais à les signer. Quelque chose d'autre? Non. Je voulais également prendre de vos nouvelles, savoir comment vous alliez. Ravi que vous soyez de retour. Ok. Ma puce, tu t'imagines? Je suis allée trouver Kobe dans son bureau pour flirter. Il m'a carrément envoyée balader. Martha, j'espère au moins que tu sais que tu n'es pas payée pour venir dans ce bureau flirter avec les hommes. Je sais, ce n'est pas si méchant. Kobe est tellement rigoureux. Malgré sa beauté, il ne veut pas que les femmes lui tournent autour. Qui fait ça? Tu m'écoutes au moins? Tu as l'air ailleurs là. J'ai beaucoup à faire. Et c'est clair que je ne suis pas d'humeur à écouter les ragots. J'ai aussi besoin que Kobe prenne ses fichiers car je dois bosser dessus. Ok, je vais t'aider. Pas la peine. Je vais l'appeler. De la mode. Ah! Il me faut cette robe. Bébé, as-tu un souci au boulot? Écoute, bébé, j'ai longuement réfléchi, vois-tu? Et je crois fermement que je dois démissionner de mon boulot. Quoi? As-tu perdu la tête? Non, écoute-moi. Calme-toi. Je ne sais pas, mais je commence à me sentir très mal à l'aise au bureau. J'ai l'impression que ce boulot commence à vraiment impacter notre mariage. Attends. Je ne te comprends pas. Un boulot qui paye très bien, avec de très bons avantages. Comment cela peut-il impacter notre mariage? Écoute, tout ne tourne pas autour de l'argent. Écoute-moi, je ressens de la distance. Nous étions très proches, soudés, depuis que je travaille dans cette entreprise. Absolument tout a changé. Oh gars, nous sommes mieux maintenant. Tu ne démissionneras pas, un point c'est tout. Écoute, ne me provoque pas, oh. N'essaye pas de bêtises avec moi. Kobe! Hey! Tout ne tourne pas autour de l'argent. Oh gars, tu ne comprends pas que je... N'essaye pas. Oh, essaye et tu verras. Essaye. Est-ce toi qui travailles dans cette entreprise? Est-ce toi qui travailles dans ce bureau? J'ai l'impression que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, oh. Oh gars, essaye. Ah. Hey. Kobe? Kobe, réveille-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dors-tu encore à 7 heures? Il est 9h passé des 30 minutes. Ne vas-tu pas au travail aujourd'hui? Je ne veux pas y aller aujourd'hui. As-tu perdu la tête? Veux-tu que ton boss te vire? Écoute, j'ai beaucoup de contacts. Je trouverai un autre boulot. Ce n'est pas un problème. Trouver un boulot n'est pas le problème. Mais trouver un meilleur boulot est le vrai problème. Kobe, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et va au travail. Arrête d'être paresseux. Harcelé. Oh, je te dérange, n'est-ce pas? Donc, te dis la vérité, c'est te déranger? Allez, lève-toi de là. Sors de là, mon cher. Arrête de me harceler. Lève-toi, lève-toi et va au travail. Ne me bouscule pas. Lève-toi de ce lit. Arrête d'être paresseux. C'est quoi ça? Ah, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne voulais plus y aller. Où sont mes babouches? Où sont mes babouches? Ah. Descends de ce lit. Je vais les chercher. Vas-y. Ah, ah. Ah, ah. N'importe quoi. Idiot. Wow. Hey! Comment s'est passée la réunion? Kobe? Quoi? Vous m'avez parlé? S'est passée la réunion? C'était très bien. Vraiment très bien. Vous avez l'air troublé. Ça va? Je vais bien. Je vais très bien. Je vais bien. Vous voulez prendre votre journée? Non, je vais bien, c'est bon, J'insiste que vous partiez. Vous m'avez l'air troublé. Je vais bien, Je suis la boss et j'insiste que vous partiez. Viens ici. Comment es-tu? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Sors de mon bureau! Sors! Sors de mon bureau. Sors! Désolé. Sors de mon bureau. Je suis désolé. Pourquoi es-tu rentré aussitôt? Puis-je d'abord m'asseoir? Non, réponds d'abord à ma question. Il m'a été demandé de rentrer à la maison. Attends. Ne me dis pas que tu as été viré. Non. Il m'a été demandé de rentrer à la maison et de me reposer. Tu es satisfaite? J'espère que tu ne me mens pas. Oh, allez. Colle-moi la paix. Pour info, je ne retournerai pas dans ce bureau, peu importe ce que tu diras. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit. C'est pour cette raison que tu te comportes mal ces derniers jours. Comment comptes-tu prendre soin de moi? Si tu démissionnes, comment allons-nous faire pour se nourrir? Tu vois combien de fois tu es égoïste? T'es tellement égoïste. La seule chose qui t'intéresse, c'est ta propre personne. Et moi alors? J'ai dit que je me sentais mal, très mal dans ce boulot, madame. Ne peux-tu pas comprendre ça? Je ne retournerai pas dans ce bureau, quoi que tu dises. Ah. Et merci d'oublier ça. Kobe. Ah. Il ne retournera pas au bureau. Ah. Ah. Aïe. Merci infiniment. Pas de soucis. Ok, envoyez-moi juste l'email. D'accord. À bientôt. Salut. Salut. Je suis allée dans le bureau de Kobe pour lui remettre des documents signés, mais il n'est pas là. Kobe n'est pas dans son bureau? Oui, madame. Pourquoi? Bref, comment ose-t-il ne pas être au bureau à cette heure? Je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Dis-lui de se ramener ici immédiatement quand il arrivera. Ok. Mais peux-tu lui donner un peu de temps? Ça se pourrait qu'il soit stressé. Il agissait bizarrement ces derniers jours et je lui ai demandé de rentrer à la maison. Mais ça ne lui donnait pas le droit de rester à la maison aujourd'hui sans ma permission. Mais toi et moi savons que Kobe est très ponctuel. Il a sûrement dû avoir un problème pour qu'il ne soit pas là. S'il te plaît, donne-lui un peu du temps. C'est sérieux? Kobe! Kobe! Combien de temps comptes-tu vivre ainsi? Hein? Tu veux nous plonger dans la pauvreté, c'est ça? J'en ai ma claque de prendre soin de toi. Et je trouverai un autre boulot bientôt. Oh! Vraiment? Très contente de le savoir. Nous savons tous les deux qu'il est difficile de dénicher un très bon boulot. Tu en as un et tu décides de l'envoyer balader. Toi, c'est ta faute. Je me sentais très bien dans mon ancien travail, mais qu'as-tu fait? Tu m'as poussé à m'essayer dans un autre boulot. Tout ça à cause de ta cupidité et de l'argent. Tu devrais me remercier de t'avoir permis d'avoir un meilleur boulot. Pardon. Te répondre serait une perte de temps pour moi, madame. Kobe! Kobe! Kobe, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que tu te trouves un nouveau boulot. Paresseux! Idiot! Tu vas me trouver dans cette maison. Que fait une aussi belle femme comme vous, toute seule ici? Oh, je m'ennuyais alors. J'ai décidé de sortir me détendre. C'est super. Bien, mon nom c'est Chef Bachero. Vous pouvez m'appeler chef. Moi c'est Ruby. Waouh. Vous êtes vraiment une très belle femme. Oh, merci. Votre petite amie a vraiment beaucoup de chance. Videz vos crevets, je vous achèterai une autre bouteille de vin. Oh, non, non, non. J'étais sur le point de partir quand vous êtes arrivé. Ah. J'aimerais que nous soyons amis. Oh. Ok. Voici ma carte. S'il vous plaît, appelez-moi. D'accord, je le ferai. Prenez soin de vous. Je compte sur vous. Passez une bonne journée. Et vous aussi. Je t'ai eu, gars. Ma puce? Devine quoi? Quoi? J'ai rencontré un chief riche. Cet homme a assez d'argent. Ah, tu sais que tu es une femme mariée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais avec un chief? Je sais. Mon mari est devenu très rare dans ces temps. Il ne prend plus soin de moi comme il le faisait avant. Tu sais que ton mari fait de son mieux et qu'il te donne tout ce que tu veux. Oh, s'il te plaît, arrête. Écoute, ce chief dont je te parle a beaucoup d'argent. Ce que tu fais n'est pas juste. Ruby. Tu me plais tellement, bébé. Oh mon Dieu. J'aimerais tellement sa famille quelque part. Mon ex-femme et mon unique fille qui vivait au States. D'accord. Oui. Wow. Ça doit être difficile pour toi de rester sans femme. Oui, comme tu peux le voir, j'ai besoin de toi dans ma vie. S'il te plaît. Je suis déjà en couple. Mais c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu entends par compliqué? Mon partenaire et moi avons de sérieux problèmes. Toujours à se remettre, se séparer. J'en ai vraiment marre de tout ça. Bah voilà. Tu commences à en avoir marre. Pourquoi ne pas rompre avec lui et te mettre avec moi? Je t'en supplie. S'il te plaît, Ruby. Ce n'est pas aussi facile. Tu sais quoi? Donne-moi juste un peu de temps. Ok, s'il te plaît, décide-toi vite, ma chérie. S'il te plaît, j'ai hâte de t'avoir près de moi. Ok, j'ai compris. D'accord, bébé. Vide ton verre. J'arrive. Hey! Kobe! Peace! Comment tu vas? Je vais bien, merci. Où est Ruby? Elle, Ruby n'est pas là. Pourquoi n'entres-tu pas? Oh, hein? Non, c'est bon. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Oh, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle n'a pas décroché. Oh. Lorsqu'elle reviendra, dis-lui que je venais prendre de ses nouvelles. Ok, bien sûr. Tu es sûr que tu ne veux pas l'attendre à l'intérieur? Non, c'est bon. Ok. Merci. D'accord. Passe une bonne journée. Merci. De rien. Le responsable des ressources humaines a-t-elle trouvé des dispositions pour le nouveau directeur? Oui, madame. Ok. Mais c'est vraiment triste que Kobe soit parti de cette manière. Il était si efficace. Eh bien, c'est clair qu'il ne veut plus du tout travailler dans cette entreprise. Je veux dire, il n'a même pas jugé nécessaire de déposer sa lettre de démission. Je ne sais pas, mais j'ai le pressentiment que quelque chose de mal lui est arrivé. Rien de mal ne lui est arrivé. Bref, j'en ai assez de lui. Je le remplace, point final. N'es-tu pas censé prendre de ses nouvelles? Je veux dire, il est l'un de tes meilleurs employés dans cette entreprise. Il pourrait vraiment être en danger. Dans ce cas, sa famille aurait dû appeler la compagnie. Je pense que tout être humain l'aurait fait. Pourquoi ne retournes-tu pas travailler? C'est bon. C'est bon. Lovelyn. Lovelyn. Ah. Tata. Lève-toi du canapé, va à l'étage et repose-toi. Tata, je ne peux pas. Écoute, j'ai beaucoup de boulot à effectuer. Te surmener finira juste par te rendre malade. Je sais. Mon directeur n'est pas là depuis un moment. Je suis obligée de faire son travail. Alors pourquoi ne pas engager une autre personne qui prendra sa place temporairement? Il est renvoyé. C'est juste que l'entreprise n'a pas encore trouvé quelqu'un pour le remplacer. As-tu cherché à savoir pourquoi il est absent? L'as-tu fait? Non. Je devrais? Pourquoi pas? S'il a toujours été compétent et ponctuel, alors il pourrait y avoir une raison à son comportement. Pourquoi est-il absent? Je pense que je devrais le découvrir. Tata, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire pour un employé à l'exception de Martha. Et ça, c'est parce qu'elle est mon amie. Je ne commencerai pas maintenant. Il est viré, je le remplacerai. C'est bon. C'est bon. Essaie juste de te reposer, ok? C'est bon, d'accord. Tu peux partir. Vas-y. Bonne nuit, vas-y. Ok. Je te rejoins bientôt. Fais de beaux rêves. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu dois te reposer. Tata, vas-y. S'il te plaît. Hé, hey. Où comptes-tu aller habiller de cette façon? Qu'est-ce qui cloche sur ma robe? Ruby, tu es une femme mariée. Tu ne le sais pas? Et comme tu as décidé de quitter ton boulot, je ne te laisserai pas nous plonger dans la pauvreté. J'ai donc décidé de chercher un boulot. Oh mon Dieu! Quelle espèce de boulot trouveras-tu habillée de cette façon? Celui de prostituée. Et ça pose un problème. Boulot, c'est boulot. Prends soin de toi. Oh mon Dieu. On en est là. Bon, bonjour, madame. Que faites-vous ici? Madame, je suis vraiment désolé de ne pas être venu au bureau. J'ai eu un accident le soir où on m'a demandé de rentrer à la maison. Et depuis cet instant, je suis resté tout ce temps à l'hôpital pour mon rétablissement. Doucement. Vous aviez eu un accident et vous n'étiez pas fichu d'informer la compagnie ou envoyer quelqu'un pour le faire à votre place. Madame, ma femme est absente et je n'avais personne à envoyer au bureau. Vous pensez que je vais gober ça? Madame, pourquoi vous mentirais-je? J'ai toujours été ponctuel. Et pourquoi je m'asseyerais à la maison? Voyez-vous, c'est une situation qui était indépendante de ma volonté. Oh, et vous espérez que le poste reste vacant pour vous? Je suis désolé pour tout le tort que j'ai pu vous causer à vous et à l'entreprise, mais je vous en prie. Je vous donnerai une dernière chance. Mais rassurez-vous que cela ne se répète plus jamais. Merci, ça n'arrivera plus. Et j'espère que vous êtes venu avec votre dossier médical. Oui, il est sur mon bureau. Retournez à votre bureau. Vous avez une tonne de dossiers qui vous y attendent. Merci, merci infiniment, merci. Salut, beau gosse. Martha. C'est vrai que tu me dises que tu es de retour. Ok. Martha, peux-tu revenir plus tard, s'il te plaît? Je suis un peu occupée, là. Tu sais, je peux faire quelque chose pour toi, pour t'aider à te détendre. Ça te dit? Martha. Ah. Que se passe-t-il ici? Rien. J'étais juste en train de discuter avec Monsieur Kobe. J'étais sur le point de partir quand je suis arrivée. Je reviens tout de suite. Une amourette au bureau? Pouvez-vous dire à votre comptable, que dis-je, votre ami, d'arrêter de me draguer, s'il vous plaît? Avouez que ça ne vous a pas déplu. J'aurais aimé si ça avait été vous, mais... Regardez comment vous êtes jolie quand vous mettez en colère. Et même plus jolie encore, quand vous souriez. Vous me draguez? Je vous faisais juste un compliment, madame. En principe, vous devriez me dire merci. Monsieur Kobe, est-ce que vous savez que je peux vous virer à l'instant? Ah. Comme ça, vous virez des gens pour des compliments, c'est ça? C'est dommage. Ici, c'est une entreprise. Vous êtes payé pour travailler. Pas pour venir complimenter qui que ce soit. J'espère que vous m'avez compris. Vous voyez le chef marketing, je veux que vous travaillez tous les deux sur quelque chose. Oui, madame. Ma puce, pourquoi m'as-tu empêché de parler cet après-midi? Je ne comprends pas. De t'exprimer. Martha, tu es en train d'harceler ce pauvre mec. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'aimait pas? Eh bien, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui en profitait, hein. Je pouvais voir comment tu menaçais de l'étouffer. Je me trompe ou j'ai ressenti quelque chose entre vous deux? Quelque chose? Oh non, arrête. Tu te fais des idées. J'ai vu quelque chose comme de la colère dans tes yeux quand tu entrais. Mais tu l'as très vite masqué. J'ai également remarqué que Kobe était vraiment intéressé par toi. Martha, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bien sûr que tu sais que ce n'est pas vrai. Eh bien, peut-être que je me suis trompée. T'es prête? Pardon? Est-ce que je suis prête? Oui, laisse-moi me rassurer, j'ai tardé. S'il te plaît, j'aimerais venir avec toi, j'ai oublié ma voiture. Ok, mais à une condition. Nous n'aurons pas cette conversation dans la voiture. Ok. Vendu? D'accord. Ok. Ok, quand est-ce que je te verrai? Ok, merci. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Ok, à tout à l'heure. Prends soin de toi. Bye. Avec qui parlais-tu? Peace. Pourquoi cette question? Et depuis quand dis-tu à Peace que tu l'aimes, qu'elle te manque, que tu as hâte de la revoir? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Devrais-je lui dire que je la déteste? Madame, je vous connais Peace et toi depuis très longtemps. Je ne t'ai jamais entendu parler avec Peace avec autant de joie. Oh gars observateur, comment était le boulot? Ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Tant que l'argent continue d'entrer, je suis contente, tu es contente. Exactement. Mon amour, mon bébé d'amour. Mon amour, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? En fait, qu'est-ce qu'il y a aimé les bonnes choses? Bébé, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oh. Wow. Ta maison est magnifique. Ouais, je dirais qu'elle est belle comme toi aussi, tu sais. Oh, je n'ai pas de choix. Être belle est bon pour les affaires. J'aime ton sens de l'humour. Et tu vis seule? Ouais, assieds-toi, laisse-moi t'offrir. Oh, ok. Ok. Pour un séminaire de 2 jours dans l'état des Nogu. Vraiment? Ok. Et quand pars-tu? Vendredi. Vendredi? Ok. N'oublie pas de prier pour moi, mon travail et pour tout. Tu peux compter sur moi. Tu es toujours dans mes prières, bébé. Je sais. Tu es ma priorité absolue. Je sais. Je prierai toujours pour toi, ok? Merci. Je t'en prie. Bonsoir. Salut. Pourquoi êtes-vous encore au bureau? Eh bien, j'ai une tonne de travail et je voulais terminer ça. Vous pouvez le faire demain? Non, madame, je veux le faire aujourd'hui. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous m'avez l'air troublée. Écoutez, ça m'est égal, tant que ça n'affecte pas votre travail. Je n'ai personne à qui parler de ce que je traverse en ce moment. Parfois, il m'arrive de penser que je vais devenir fou si je ne parle pas à quelqu'un. Personne? Personne à qui faire confiance? Je n'ai pas beaucoup d'amis. Et c'est un sujet très personnel. Puis-je vous faire confiance? Voulez-vous me faire confiance? Oui, mais pas ici. Pourquoi pas autour d'un verre? S'il vous plaît, ne dites pas non. Ok. Ok, alors, il ne me reste plus qu'à me dépêcher et... Je suis à vous. N'importe quoi. Oh, j'ai mal au crâne. Que fait-il ici? Oh mon Dieu! Je pensais que c'était un rêve. C'est réel. Sors, 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 sors! Sors de chez moi! Je suis désolé. Désolé, désolé. Sors! Désolé, désolé. Je n'ai pas abusé de vous, ok? Je ne voulais pas que ça arrive. Je suis désolé, je suis désolé. Dégage de ma vue. Je suis désolé. Dégage. Désolé. Désolé. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. Ruby? Chérie? Kobe! D'où viens-tu? Je suis désolé, j'ai été retenu au bureau et j'avais énormément de boulot, désolé. Retenu par qui? Pas par quelqu'un, j'avais juste beaucoup de travail au bureau et je devais le terminer avant de rentrer à la maison. Mais j'ai fini très tard, alors... j'ai dû rester là-bas. Écoute, j'espère juste que ils t'ont donné des frais supplémentaires pour avoir dormi au bureau. Ruby, je suis fatiguée. J'ai juste envie de faire une bonne toilette et de me reposer. Je ne comprends pas. Tu veux te reposer? Ne vas-tu pas au travail? Bien sûr que si, j'y vais. Je veux juste me reposer un tout petit peu. Ok, tu veux entrer et te reposer? Il n'y a pas de problème. Vas-y. Vas-y, entre et repose-toi. Homme paresseux. Pourquoi je continue de penser à lui? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à arrêter de penser à lui. Salut, boss. Salut. Ah, t'es en retard ce matin. Ah. Oh oui, je me suis réveillée avec une migraine ce matin, alors j'ai préféré me reposer un moment. Ok. Kobe n'est pas encore au bureau. Ou bien, vous vous êtes arrangés tous les deux à venir en retard. Sérieux? C'est quoi cette remarque idiote? Ah, tu as rougi quand j'ai prononcé son nom. Ai-je raté quelque chose? Tu n'as rien manqué. Quelque chose comme quoi? Un café, s'il te plaît, ça m'aiderait. J'irai beaucoup mieux après. Oui, patronne. Salut. Écoute, à propos de l'année dernière... Ce n'est jamais arrivé. Écoute, j'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé, ce que nous avons partagé, mais je n'y arrive pas. Je suis toujours attiré par toi. Arrête de raconter des conneries. Écoute. Si tu continues de parler de ça, je serai obligée de te virer. Écoute-moi. Je perds mes forces quand je suis près de toi. Tu ne comprends pas. Je perds mes moyens lorsque je me retrouve dans la même pièce que toi. Tu me fais perdre la tête. Ce qui s'est passé la nuit dernière était une erreur, mais c'était aussi la meilleure nuit de toute ma vie. J'y ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle il est mieux que je démissionne. Je veux dire, peut-être que si je suis loin de toi, peut-être que si je ne suis pas près de toi, je pourrais m'enlever tout ce que je ressens pour toi de la tête. Et je retrouverai la raison. Je suis désolé. Kobe n'est pas toujours là aujourd'hui. Est-il en congé? Il a démissionné. Quoi? Pourquoi? Parce que c'était sa décision. Il a démissionné ou tu l'as viré? Je ne l'ai pas viré. Je veux dire, si je l'avais fait, je te l'aurais dit. Je trouverai quelqu'un qui le remplacera immédiatement. Oh, c'est vraiment dommage qu'il soit parti. Il était vraiment un atout pour cette entreprise. Je pense qu'il était plus important pour toi que pour la compagnie. Soyons sérieux. C'était un directeur parfait. Ok. Je suis d'accord. Il est très sexy. Mais ça, c'est juste un plus. Il est bon. Et tu le sais. Vas-y. Retourne dans ton bureau, Martha. J'ai énormément de boulot et tu peux le voir. Alors retourne dans ton bureau. J'y vais. Je reviendrai pour le déjeuner. Ne reviens pas. Je reviens. S'il te plaît, ne reviens. Je suis très sérieuse. Si tu reviens, je vais te mettre à la porte. Alors les gars, comment maîtriser son adversaire? Bien Billy, je vais te montrer comment t'y prendre. Ouah! C'est tout ce que t'as à faire. Tu le prends et tu le maîtrises d'un seul coup. Tu vois? De cette façon, il ne pourra plus se débattre. T'es folle? Peux-tu m'expliquer pourquoi tu refuses d'aller au boulot ces derniers jours? J'ai démissionné. Tu as démissionné? Et tout ce que tu sais faire, c'est de t'asseoir et regarder la télé. Vous savez, ce n'est pas... Tu regardes les gens gagner leur argent. Donne-moi la télécommande. Pour que tu continues à visionner. Ma femme et moi avions seulement 2 semaines avant qu'elle aille à l'hôpital. J'ai fait ce que j'ai fait pour nous. Je ne veux pas que quelque chose se mette entre nous. Même pas mon boulot. Tu comprends? Kobe, tu passes le temps à le dire. Je n'arrive pas à comprendre. En quoi ton boulot affecte notre mariage? Écoute, l'autre jour, je suis revenu à la maison au petit matin. Je n'ai pas pu rester à la maison et dormir avec toi. Pouvoir te prendre dans mes bras, te sentir. Si je ne travaillais pas dans cette entreprise-là, je ne serais pas resté au bureau toute la nuit. Je serais resté avec toi. Donc, parce que tu ne m'as pas pris dans tes bras pour une nuit... Tu es là à te plaindre. Chérie, écoute-moi. Écoute-moi, je vais arranger les choses. T'inquiète pas, je vais trouver un autre boulot très bientôt, ok? En fait, je suis en train de vouloir créer ma propre compagnie. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas créer ta part d'entreprise? Oui. Est-ce que tu t'entends parler? Hein? Penses-tu que c'est facile? Est-ce que tu sais combien tu auras à investir? Sais-tu combien de temps ça te prendra pour que ça produise? Écoute Ruby, ne t'inquiète pas, je suis très expérimentée. Dis-toi que les choses marcheront pour moi, ok? D'accord? Kobe, je ne suis pas prête à vivre cette aventure avec toi. Ah, ma puce, ça fait un bail. Ton mari t'a-t-il dit que j'étais là dernièrement? Oui, il l'a fait. Sérieux? Oui. Vraiment? Tu sais, j'ai trop de choses dans la tête. Vraiment? Mm-hmm. Hein, ma puce. Ouais. Te souviens-tu de ce chief dont je t'ai parlé? Quel chief? Chef Basile. Hein? Ne me dis pas que tu sors déjà avec lui? Ma puce, ce mec est friqué. Je te l'ai dit pourtant. Écoute, j'envisage quitter Kobe pour Chef Basso. T'es folle? Peu importe ce que tu as avec ce type, Basile, mets-y un terme et concentre-toi sur ton mariage. Peace, tu ne peux pas comprendre. Kobe est devenu un homme très paresseux. Il ne s'occupe plus de moi comme avant. Il dit qu'il veut créer sa propre boîte. Penses-tu qu'il pourra gagner plus que son salaire? Ce n'est pas toujours une question d'argent. C'est une question d'accomplir et de réaliser son rêve. Quel rêve stupide! Il reste à vouloir réaliser ses rêves pendant que je me tape un homme très riche. Tu es incroyable! Conseiller matrimonial, s'il te plaît, casse-moi les yeux. C'est si tu veux, si ça te plaît. Fais attention. Lovelyn, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je vais bien, Tata. Non, tu n'as pas l'air d'aller bien. Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe? Écoute, tu es comme ma fille. Et tu sais très bien que tu peux tout me dire. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît. Est-ce que tu vois quelqu'un? Ah, non. Alors, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte, Tata. Quoi? Lovelyn, mais tu viens juste de me dire que tu ne vois personne. C'était une terrible erreur et je regrette. Il voulait un rendez-vous et nous étions ivres et il s'est proposé de me ramener chez moi. Je ne savais pas que ça finira ainsi et nous avons terminé au lit. Quand est-ce arrivé? Lorsque tu étais à Enugu. Et qui en est donc le responsable? Qui? Kobe. Kobe. Est-il au courant? Je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Je vais l'interrompre. Tu vas faire quoi? Ôter la vie à un enfant innocent? Tata, ce n'est pas encore un bébé. Lovelyn, ceci ne te ressemble pas. Cet homme mérite de savoir que tu portes son enfant. Il mérite de ne rien savoir. S'il ne m'avait pas invité à ce stupide rendez-vous, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu sais quoi, hein? Je suis certaine que tu prendras la bonne décision. C'est bon, viens là. C'est bon, arrête. Arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête. Ouais. Oh, arrête, c'est bon. C'est bon. Ah, je te rappelle plus tard, ok? À plus. Tu voyages? Kobe, je suis fatiguée de ce mariage. Je n'en peux plus. Ruby, tu sais combien je t'aime. Et tu sais combien je me suis sacrifié pour que ce mariage, notre mariage, fonctionne. Alors pourquoi veux-tu partir maintenant? Je ne suis plus amoureuse de toi. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il a tout ce que je recherche chez un homme. Ruby, Tu te souviens que tu me disais aussi la même chose? Tu t'en souviens? Plus maintenant. Ces derniers temps, tu as fait les choses sans me consulter. Quoi? Absolument toutes choses que j'ai faites depuis que je t'ai rencontré, je t'ai toujours impliqué. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre intérêt. Qu'est-ce que tu racontes? Kobe? Ouh. Huh. Oncle bébé, oncle. Oh. Eh oui. Bienvenue dans ta nouvelle maison, bébé. Merci, mon cœur. Où est le reste de tes affaires? Oh. Ce sont des vieilles choses. Ah bon? J'ai besoin des nouvelles choses. J'ai pas besoin de les porter dans cette maison. Oui. Tu vas m'acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, une nouvelle voiture, de nouveaux accessoires, des mèches brésiliennes. À présent, j'ai une nouvelle vie, une nouvelle maison. Allez! Bébé, je suis vraiment heureux car je ne me sentirai plus seul dans cette maison. J'ai ma moitié avec moi. Ta moitié. Qu'est-ce qu'il y a? Mais nous ne sommes pas encore mariés. Mais ça ne saurait tarder. Non, tu n'as pas le droit de prendre les décisions tant que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Je le ferai bientôt, mon cœur, s'il te plaît. Le plus tôt sera le mieux. Laisse-moi d'abord t'installer, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Est-ce que tu m'as compris? Allez, je le ferai, je le ferai. Okay, allons dans la chambre. Oh. 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 Oh, chérie. Oui, oui, oui. Merci. Allô, Lovelyn? Est-ce que je peux te voir? Tout va bien? Ça va? Il faut qu'on parle. Pas de souci, mais dis-moi, tu vas bien? Tu vas bien? Elle a raccroché. Hey, salut. Bienvenue. C'est bon de te voir. S'il te plaît, c'est toi. Oh. Tout va bien? Non. Bien, je vais aller droit au but, Kobe. Je suis enceinte. Quoi? Je suis tombée enceinte à la suite de cette nuit. Et je n'ai pas l'intention de garder cette grossesse. Bien, je voulais que tu le saches. Tu es enceinte? Et tu as l'intention d'avorter mon bébé? Tu mens, tu ne feras pas ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'entends parler? Que comptes-tu faire? M'attacher, me garder chez toi pour espionner tous mes gestes? Ah, Love, pourquoi mon Dieu me détestes-tu autant? Au point où tu veux exterminer l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ce monde. Je ne m'appelle pas Love. Mon nom c'est Loveline. Et j'ai déjà intégré que j'y mettrai un terme. Et rien ne me fera changer d'avis. Écoute Kobe, je n'ai jamais voulu créer des problèmes dans ton foyer. Love, mon mariage est déjà brisé. Ma femme m'a quitté pour un autre homme. Non, tu ne me feras pas avaler ces histoires à la con, si. Sais-tu que tu es indirectement responsable de ce qui est arrivé à mon foyer? Je n'arrivais pas à te sortir de ma tête. C'est pour ça que j'ai démissionné. Et ma femme n'a pas pu le supporter. Parce qu'elle pense que j'ai laissé un boulot bien rémunéré, juste pour lancer mon propre business, qui d'après elle ne me rapportait pas autant d'argent. Tu peux revenir dans l'entreprise. S'il te plaît, sors de chez moi. Pourquoi as-tu si peur de ce que tu ressens pour moi? Tu as peur de te retrouver dans la même pièce que moi? Sors de chez moi, s'il te plaît. s'il te plaît. Sors de chez moi! Mais Tata, pourquoi tu dis ça? Au copain. Bref, en passant, tu as parlé à Kobe? Kobe, il venait juste d'être là. Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit que je garde le bébé. Et sa femme? A-t-il discuté avec sa femme? Dit que sa femme l'a quitté. Mais Tata, je ne le crois pas. Je veux dire, quelle femme réfléchie peut quitter un homme comme Kobe? Il est exactement le genre d'homme que toutes les femmes rêvent. Loveline, tu devrais voir comment ton visage s'illumine quand tu parles de Kobe. Il te plaît, n'est-ce pas? Tata, non! Il te plaît, hein? Ah, non! Mais Tata, pourquoi tu dis cela? Je veux dire, c'était mon employé. Et? Je veux dire, il te plaît, c'est pour ça que tu lui as permis de t'offrir un verre. Et ça ne s'est pas arrêté là, tu lui as permis de te ramener à la maison. Tata, j'étais pompette. Et il a insisté. Il a insisté et tu as accepté parce que tu appréciais sa compagnie. Tata, tu ne me facilites pas les choses. Je vais être franche avec toi, mon cœur. Arrête de cacher tes sentiments. Kobe t'aime. Et si en plus, comme il dit, sa femme l'a quitté, je pense que tu devrais considérer cet homme. Donne-lui une chance, ok? Pas question, Tata. Je ne suis pas prête pour une relation en ce moment. Loveline, quoi qu'il en soit, ça c'était mon petit conseil. La décision te revient entièrement, ok? Mais je sais que tu prendras la bonne, ok? Tata, tu me connais trop bien. Je t'ai porté, donc je te connais. Ne suis-je pas ta tante, hein? Bien sûr que non. Non, je n'en aime pas. Mais s'il te plaît, pense-y. Ok. Ok. T'as aimé? Ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment. Ruby! Ruby! Yes! Donc, c'est à cause de ce vieil homme que tu m'as quitté? Quoi? Que dit-il? Chérie, t'inquiète pas, ok? Est-ce que tu vois ce vieil homme? Il est 1000 fois mieux que toi, ok? Ruby, je t'ai aimé. Je t'ai servi mon cœur sur un plateau. Oh gars, je suis passée à autre chose, ok? Pourquoi ne peux-tu pas faire pareil? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Ruby, bébé, qu'est-ce qu'il y a, Kobe? Lâche-moi! C'est pas ma femme. Quoi? Oh, bien tu la fermes. Ruby, tu vas le regretter, oh. Tu vas le regretter. Regardez-moi sa tête. Vieil homme. Ok, démarre. Tu es sûre que je ne veux rien? Oh, ça va. Merci. Ok. Ça fait déjà 2 jours que tu n'as pas mis les pieds au bureau. Et ça ne te ressemble pas du tout. Tu vas bien? Je vais bien. Juste une petite fièvre. Fièvre? Fièvre. Quelle fièvre? Martha, je suis enceinte. Quoi? Comment? Je veux dire, comment est-ce que c'est arrivé? Tu te souviens du jour où je suis arrivée en retard au boulot? Oui. Kobe m'avait invité boire un verre la nuit précédente. Il disait qu'il avait des problèmes personnels et qu'il avait besoin de quelqu'un pour parler. Et tu sais combien l'alcool peut me faire perdre la tête à chaque fois que j'y touche. Et nous avions trop bu. Pour couper court, à mon réveil le lendemain matin, il était couché près de moi, sur mon lit. Tu veux dire que Kobe a abusé de toi? Non, je ne pourrais pas dire ça. Je veux dire, je sais à quel moment il s'est mis à m'embrasser. J'aurais pu dire non. Quelle idiote j'ai été. Je pensais, Je pensais que je rêvais. Je sais que nous avions trop bu ce soir. Disons que c'était une erreur. Une erreur? J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose derrière ce bureau. Car tu étais toujours en colère contre tout le monde. Comme si c'était de la faute si Kobe était parti. Quoi? Je l'ai fait? Tu m'as foutu hors de ton bureau. Et à chaque fois que je prononçais le nom de Kobe, tu m'empêchais de parler. Du genre, tu ne voulais pas entendre parler de lui. Tu ne voulais pas que quelqu'un prononce son nom au bureau. Tu agissais comme si il te rappelait que quelque chose te manquait. Là, t'exagères. Je suis sérieuse. Vraiment. Il sait que tu enseignes de lui. Oui. Et il voudrait que je garde le bébé. Attends, comment sa femme va pas-t-elle prendre tout ça? Je veux dire... Bien, il a dit qu'il n'était plus avec sa femme. Oh. Honnêtement, je suis confuse, Martha. Je ne sais pas si je veux vraiment cet enfant ou non. J'essaie de me faire une idée. Je pense que tu devrais garder le bébé. C'est tout ce que t'as à dire? Hey! Hey! Qui était-ce? Il s'appelle Kobe. Nous étions mariés, mais c'est terminé entre nous. Mais tu m'as jamais dit que tu étais mariée. Oui, je sais. Mais je t'ai dit que notre relation était compliquée. Oui, mais je t'ai dit que j'étais divorcée. Je sais, je suis désolée. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. Et pourquoi avoir divorcé? Incompatibilité d'humeur. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme que j'avais épousé. C'est dommage, il t'aime encore. Il se soucie de toi. Ne le laisse pas te décevoir. Kobe ne pense qu'à lui et personne d'autre. Oui, j'en suis très sûre. Chérie, j'espère qu'il n'a pas gâché ta journée. C'est juste que le gars a pété les plombs. Désolé mon amour. Allons-y, allons-y à l'intérieur. Madame, Monsieur Kobe est là pour vous voir, mais je lui ai dit qu'il ne peut pas entrer parce qu'il ne travaille plus ici. Demandez-lui de sortir. Merci, madame. Monsieur Kobe, je vous ai dit que vous ne pouvez pas... Monsieur Kobe, vous ne pouvez pas entrer. Laissez-le. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi tu fous le bordel dans mon bureau? Je suis venue te supplier de ne pas mettre un terme à cette grossesse. S'il te plaît. Kobe, je t'ai déjà dit que je ne suis pas prête psychologiquement à être mère. Non, je ne le suis pas. Je t'aiderai à diriger cette entreprise. Je t'aiderai même quand tu seras en congé de maternité. Tu sais, tu n'as qu'à juste me donner la direction. Et ta compagnie? Je dirigerai mon entreprise. Il n'y a pas de souci. S'il te plaît, ne m'empêche pas de connaître la joie d'être père. Je ne te promets rien du tout. Écoute, tu n'as pas besoin de me promettre quoi que ce soit. Si tu savais comment j'ai tout fait pour oublier ce que je ressens pour toi. J'ai fait tout ce qui était possible, juste pour rester loin de toi. Comme l'accident. Mais il n'y avait pas d'accident. Je voulais juste partir. Pour travailler pour une autre compagnie, pour être loin de toi. Mais ma femme s'y est totalement opposée, c'est pour ça que je suis revenu. Tu m'as menti. Et le rapport médical? Ça, quelqu'un me l'a fait rapidement. Quand je suis revenu dans ton entreprise, les sentiments que j'avais pour toi grandissaient au fur et à mesure. Je me suis consolé dans le travail, mais ces sentiments étaient toujours là. Et après cette nuit, J'ai su que je devais te garder le plus loin possible de mon espace. Alors j'ai démissionné. Oui, j'ai démissionné parce que je voulais rester loin de toi. Je pensais que ça sauverait mon mariage, mais mon mariage était déjà tombé à l'eau. Ma femme m'a quitté. Tu as osé me mentir? Sors de mon bureau. Non. Dégage! Je t'ai toujours dit la vérité. Écoute-moi, je t'ai dit la vérité. Sors de mon bureau, espèce de menteur! Ne mets pas un terme à cette grossesse, s'il te plaît. Sors! 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 Je t'en prie. Sors! Dehors! Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est? Toi? Voici les papiers du divorce. Il faut les signer. Dis-moi depuis combien de temps fréquentes-tu cet homme pour que tu veuilles me laisser pour lui? Ce n'est plus important maintenant. Pas important? Des années où j'ai sacrifié absolument tout pour notre mariage. Hey, hey, s'il te plaît, écoute. Je ne suis pas là pour écouter tes jérémiades, ok? S'il te plaît, il faut juste signer ces papiers. Notre mariage est terminé. Tiens ce truc. Tu peux garder ton stylo. Je veux dire, après tant d'années, c'est cette aide que tu peux m'apporter. Un stylo. Ah, peu importe. La meilleure vie que tu as jamais eue. Je ne suis pas aveugle. Pourquoi tu trembles? Signe ce truc, je veux partir. Bonne chance. Madame, désolé de ne pas avoir demandé. Désolé. Êtes-vous un parent à elle? Oui, je suis sa tante. S'il vous plaît. Ok. Asseyez-vous. Merci. Sois la bienvenue. Merci, madame. Vous disiez que vous êtes... Kobe. Kobe. Oui. Ok. Madame, je sais que vous êtes probablement au courant que... Loveline est enceinte. Et... je voulais tout d'abord vous dire que c'est moi le responsable de cette grossesse. J'ai essayé de dire à Lovelyn de ne pas mettre un terme à cette grossesse, mais elle a refusé. Alors j'espère juste que vous pourrez lui parler. Vous savez, pour qu'elle ne mette pas un terme à cette grossesse, s'il vous plaît. Son principal problème, c'est votre femme. Elle ne veut être à l'origine d'aucun problème dans votre famille. Madame, ma femme et moi avons divorcé. Elle m'a quitté pour un autre homme. Madame, je voulais juste que vous le sachiez, j'aime véritablement Lovelyn. Et je veux juste être avec elle. Je pense que vous devriez lui parler. Faites-lui savoir combien vous l'aimez et combien vous voulez de cet enfant. Je l'ai fait, madame, à maintes reprises. Mais elle refuse catégoriquement de m'écouter. Je veux dire, si elle ne veut vraiment pas avoir un enfant hors mariage, nous pouvons nous marier avant que la grossesse commence à se voir par tous. J'espère que vous ne lui proposez pas le mariage parce qu'elle attend votre enfant. Non, madame, non. Je l'aime, peu importe si elle attend un enfant de moi ou non. Je voudrais toujours l'épouser. Ok, je lui parlerai. Prions qu'elle retrouve la raison. Ok? Oui, madame. Merci, madame. Merci infiniment. Je vous en prie. Ah. Ouais. Allô? Je suis seul. Comment ça? Tu arrives avec les enfants à la fin du mois? Non, 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 non. Tu es censé revenir l'année prochaine. Quelle rumeur? Je ne suis avec personne. Je suis seul. Ne prête pas attention à ces ragots, s'il te plaît. Ok? Je t'aime, bébé. Embrasse ces enfants de ma part, ok? Il faut que je te laisse, j'ai quelques patients à recevoir, ok? Bye. Merci, bébé. Coucou, bébé. Donc, tu es un homme marié? Mais tu m'as dit que tu étais divorcé avec une fille. Donc, tu m'as menti. Hé, madame, ne joue pas la sainte ici. Toi aussi, tu m'as menti. Tu ne m'as pas dit que tu étais marié. Tu viens juste de divorcer de ton mari. Tu penses que je l'aurais pas su? Mais je l'ai fait pour toi. Pour moi? Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais marié? Je n'aurais pas dû quitter mon mari. Tu l'as fait pour de l'argent et non pour moi, s'il te plaît. Ok? Oh, tu m'as détruite. Tu t'es détruite toute seule. Tu as quitté ton mari à cause de ton insatiable cupidité de l'argent. Ok? S'il te plaît, ne me... Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es un homme très méchant. Comment tu peux me faire ça? Je ne t'ai rien fait, ma chère. C'était juste un jeu, d'accord? Ok. Quelques petits détails. Ma femme et mes enfants arrivent à la fin de ce mois. Alors, tu ferais mieux de chercher un autre endroit où rester. Est-ce clair? Tu vas me le payer. Le payer quoi? Tu vas me le payer. Je vais chercher un autre endroit où dormir, mon enfant. Tata? Oui? Je ne pense pas que je ferai une bonne mère. Pourquoi pas? Écoute mon cœur, tu ferais une mère formidable. Crois-moi. Tu le penses? Je le sais. Je suis prête à garder le bébé. Super! Oh, c'est super. Je suis heureuse maintenant. Hmm? Regardez-la. Et... Kobe? Hors de question, Tata. Je ne suis pas prête pour une relation. Surtout qu'il pense pouvoir m'avoir parce que je porte son enfant. Lovelyn, ce jeune homme t'aime. Hmm? Il était là très tôt ce matin. J'ai eu un tête-à-tête avec lui. Je pense qu'il t'aime sincèrement. Oh. Tata, arrête de me flatter pour que je me mette en relation avec Kobe. Écoute, Tata, je serai une meilleure mère célibataire si c'est ça qui te fait peur. Qu'est-ce que tu peux être têtue? S'il te plaît, ne refuse pas à ton enfant la joie de vivre avec ses deux parents. Ok? Et sur ce, j'en ai terminé. Hmm? Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Merci, Tata. D'accord. Je vais me reposer. D'accord, je te rejoins bientôt. Pourquoi m'as-tu invitée ici? Je suis dans la merde. Comment ça? Et ta nouvelle maison? J'aurais dû t'écouter. Chef Basso m'a détruit. De quoi parles-tu? C'est un homme marié, avec des enfants. Sa femme et ses enfants arrivent d'ici la fin du mois et je n'ai nulle part où aller. Je ne devrais pas le dire, mais je n'ai pas le choix. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Je sais. J'étais aveuglée par l'argent. Mais j'ai compris maintenant. Ma puce, il faut que tu m'accompagnes. Je dois supplier Kobe. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il va me pardonner. Non, 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 non. Ça, c'est ta merde. Tu en es la cause. Oh, s'il te plaît. Mais lâche-moi, dégage. Peace, s'il te plaît, Peace. Qu'est-ce que je fais maintenant? Peace, Peace. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Entre, entre. Bienvenue, bienvenue. Je suis si content. Tu sais quoi? Tu dois me répondre. Comment tu trouves ma maison? Comme toutes les maisons. Ah, je n'aurais pas dû. J'ai l'impression de rêver. Je n'ai pas en train de rêver, Kobe. Je suis venue te donner ma décision finale. Écoute, Love. Écoute, tout ce que je demande, c'est de nous donner une chance, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas m'appeler Love. Ah. Je suis venue te dire que je suis disposée à te donner une chance et à garder le bébé. Bien là. Doucement, arrête, tu vas me renverser. Quoi? Kobe, qu'est-ce qui se passe ici? N'essaye même pas. Dis-moi qui t'a donné le droit d'entrer de la sorte dans l'intimité de mon foyer. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Jeune fille, dégage! Dégage! Chérie, je pense qu'on devrait changer de maison. Je ne savais pas qu'elle venait. Je suis désolé. Les choses sont passées tellement vite que j'ai oublié de lui reprendre les clés. C'est bon. Je t'aime. Bébé, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dobbing, sur notre site web www.aforevo-dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.